Yo, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Dragon Quest, mon Serge au cœur de professionnel. J'espère que vous allez bien. Alors, la dernière fois, nous avions fait des exploits. On a fait des exploits. Non, plus sérieusement, on avait battu Imperia qui était au final très très simple. Je pensais qu'il était compliqué. Et au final, il était simple. Il était simple, on n'a pas du tout galéré. Par contre, j'ai voulu chercher Captain Crow, sauf que on m'avait dit que oui, je pouvais le chercher comme ça, il faut attendre les temps de pluie et continuer à le trouver. Sauf qu'en fait, non. Non, parce que faut d'abord parler à des PNJ avant ça, sinon il va pas se déclencher comme pour Imperia, il fallait d'abord parler à Leonix, sinon il se déclenche pas le truc. Du coup, aujourd'hui, on va faire ça, Captain Crow, et peut-être on va tenter le championnat des tops, on verra bien, mais apparemment ça va être compliqué, donc peut-être que je risque de perdre, mais c'est pas grave, hein. Au moins ça nous permettra de jauger véritablement la difficulté ou pas. J'ai rien changé au niveau des teams, enfin, rien changé, je les ai mis niveau 50, voilà, ils sont tous niveau 50. Lui, il faut que je donne des points de compétence, lui il a tout à fond, lui je lui ai mis def 1. Puisque dans le shop, je peux acheter les compétences défense 1. Donc, je lui ai mis def 1. Comme ça, il aura un peu plus de défense. Donc, ouais, il a de base pas beaucoup de défense. Donc, ça sera un petit plus pour lui. Lui, je lui ai mis attaque 1, je crois. Ouais, je lui ai mis attaque 1. Il avait que défense 1. Donc, voilà, il manquait un petit peu de patch, hein, un petit peu de punch. Du coup, je lui ai mis attaque 1. Et voilà, il a 330 en attaque, ce qui n'est pas dégueu. Bon, il y a beaucoup mieux, hein, c'est pas non plus foufou, mais c'est mieux que ce qu'il avait avant. Et on a lui qui, pour l'instant, il a que deux compétences. Alors j'hésitais à lui mettre une compétence pour les soins, puisque je vais pas soigner du coup. Donc bon, on verra bien, parce que championnat sans soigneur, ça va être un peu compliqué. Au pire, je verrai au shop, parce que regardez, alors, j'ai trouvé d'autres parts hein, dans les coffres. Et du coup, j'ai beaucoup de choses intéressantes à acheter, notamment des skill seeds, donc des points de compétence. Ça coûte 1000, mais des points de compétence, je peux directement les acheter. Et j'ai ça, HP Recovery Proof, donc HP Recovery, qui est une compétence de soins. Et on a aussi, alors elle c'est Full Recovery, voilà, Full Recovery, qui c'est la compétence de du Faucon d'Or. Du coup, c'est intéressant. Il y a multi-soin dedans, le problème c'est que ça coûte 5000 et faut voir à qui le donner, donc bon, on verra, peut-être je le donnerai à Nodoff, si jamais on perd, on verra bien comment ça va se passer. Et après il y a pas mal d'objets sympas, vraiment très sympas, notamment des armes très chères, hein. Par exemple elle, la Ranger's Axe, qui coûte 39000, et pareil, il y a plein d'armes trop cool, j'en ai acheté une qui coûtait super cher, coûtait 33000, je crois. C'était laquelle, j'essaie de la retrouver. Est-ce que je vais la retrouver? Tac, 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 tac. Ah, elle coûtait 30000, voilà. La Gen Sword qui équipe Nodos, donc il a 486 en attaque, donc c'est vraiment très très bien. Et c'est à peu près tout, hein. J'ai fait que ça, former des coffres, j'ai pas monté les autres monstres. Donc on verra bien, on va y aller tout doucement pour ce post-game. Donc on va aller tout de suite faire Crow, et en espérant que je peux faire les 3 combats, j'espère. Et ensuite on va peut-être faire le championnat, on verra en fonction du temps de la vidéo. Donc tout d'abord, faut qu'on aille dans les caves parler aux PNJ. Ouais, il y en a deux à parler, donc on va leur parler. Avant ça, comme d'habitude, tu le sais, mais je le redis, si t'es nouveau sur la chaîne, c'est le moment de t'abonner, d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications, et de laisser un petit pouce bleu pour montrer que t'as aimé la vidéo et que tu me soutiens. Et donc, c'est parti pour Capitaine Crow. J'espère vraiment hein, qu'on pourra le combattre. Alors, on m'a dit que Capitaine Crow, parce qu'au bout d'un moment, il nous rejoint, en fait. Sauf que, apparemment, il n'est pas si fou que ça. Niveau stats, il y a mieux, quoi. Donc bon, on verra bien. Toi, tu dis rien? Non. Toi, est-ce que tu dis un petit truc? Non. C'est pour savoir, hein, parce que c'est pas eux qu'il faut parler, c'est surtout à lui, là.
Sidewinder? Sidewinder. Ok, je sais pas c'est quoi. J'ai rien eu, hein, je sais pas. Non. Bon. Mais apparemment, voilà, on lui a parlé. Et du coup, logiquement, là, ça devrait se débloquer pour... comment? Pour Captain Crow. Donc on va retourner, du coup, au vaisseau. Et là, logiquement, ça devrait fonctionner. On va tenter quelques allers-retours. Hein. Genre là, il pleut pas. Ok, super. Il pleut nulle part. Faut que je pense à récupérer ça aussi. Pour revendre, pour me faire de la thune. En ça, on peut le farmer assez facilement. Par exemple, regardez, hop, je fais ça, je reviens. Je fais ça. À peine on sort du truc, gold. Ah, ça c'est nice, ça va valoir super cher. J'ai jamais eu une gold, je crois que j'ai eu silver au mieux. Et par exemple, voilà, je refais ça, et puis à la fini, ça permet de la revendre. Bon là, c'est pas le truc à revendre, mais bon, c'est pas grave. Alors, la pluie. Ici, et là, peut-être. Non. Ok, donc là, faut le faire plusieurs fois. Ah, enfin. Bon, j'en ai fait 4 allers-retours. C'est assez rapide. Du coup, Captain Crow, là, faut le battre 3 fois. À partir de là. J'espère qu'il vient assez rapidement. Fulito, oui, c'est moi. Je le trouve quand même assez classe, hein, Captain Crow. Allez, on va le taper. Ouh, d'accord. Ok, c'est... D'accord. Alors, j'espère qu'on va réussir quand même. Bon, il monte sa tension, pourquoi pas. Non, on va y aller comme ça. Hein. Okay. Sympa, les dégâts. Inferno. Aïe. Hé. On va changer. Je vais mettre lui quand même. Histoire d'avoir un petit bonus de défense. Alors pour acheter l'épée qui coûtait 30 000, j'ai vendu la moitié de mes tickets de métal. Parce que j'avais 60 tickets de métal. J'avais 60 tickets de métal. Du coup j'en ai revendu 30. Voilà, il fallait avoir de l'argent et ça coûte assez cher et... Bah y a pas... dans le 3 on a des golems d'or qui permettent d'avoir pas mal de thunes quand on fait le parcours du golem d'or. Là ici y a pas. Du coup ça devient un petit peu compliqué pour avoir de la thune. Faut faire juste des combats quoi, mais c'est chiant. Ou revendre des trucs, c'est pour ça faut que je les farme aussi ces trucs là. Bon il va être bientôt mort là non? Parce que là, Time Lord, il va pas... Après, je peux le soigner, évidemment. Ouh. Bah, je crois qu'on va le soigner. Ah ouais, mais alors par contre, si tu te soignes... Bon, tu fais pas des gros soins non plus. Hein. Mais bon. Ah, il monte sa tension. Ok. Pourquoi pas. Un petit strong herbe. Voilà. En tout cas, j'aime bien ce monstre à lui. Je sais pas quel rang il est. Ah! Ah, c'est con! Ah, c'est con! Alors, on lui a renvoyé l'inferno, mais en plus, il a perdu à cause de ça. Ah, c'est vraiment très con pour lui. Ah, c'est vraiment con. Bon. Bah voilà, on l'a eu une première fois. Ok, bien, du coup, je vais revenir ici, je vais faire un petit coup de ça, je vais aller me soigner et on va voir si je vais refaire des allers-retours et puis je vais voir si j'arrive à l'avoir. Bon, par contre, si je passe 20 minutes, je vais arrêter. Hein. Normalement, on ne doit plus reparler à des PNJ, normalement, il doit revenir facilement, enfin assez rapidement, quoi. Donc bon, on va tenter et puis on verra bien. Ah bah voilà. Voilà, c'était rapide hein. Du coup je vais pas vous couper ça, vous allez voir que c'est très rapide.
Voilà, deuxième fois. Et on verra si... Ah, là on combat Crow directement. Ça risque d'être un petit peu plus compliqué, je pense. Parce que je pense qu'en tant que boss, il est bon. Enfin, un boss. À combattre, il est bon. Mais apparemment, on m'a dit, ouais, quand on l'a, il est pas si ouf. Stat à fond, rang 50. Après, c'est sûr, hein, des monstres qui sont synthétisés sont beaucoup plus forts que des monstres non synthétisés. Ça ne change pas. Hein. Par contre, je vais juste mettre en 1,25, que ça soit un petit peu plus rapide, parce que là, c'est vrai que c'est un peu long, je trouve. Le jeu de base est quand même assez lent, hein. Faut se le dire. En 1,25, je trouve que c'est quand même un peu mieux. Pour l'instant, on laisse faire, j'ai pas vraiment besoin d'intervenir. Il gère très bien tout seul. Aïe. Ouais, là, par contre... aïe. On va le soigner, hein. Ne vous inquiétez pas. Spécial herbe. Bon, même si se soigne, heureusement qu'il a le maille miraculeux. Maille miraculeux, c'est vraiment utile. C'est pour ça que je le garde. J'ai aussi donné à Timelord des graines de vie. HP Seed, parce que terme de vie, il avait pas beaucoup de... Mais il n'y a pas beaucoup de vie. Il était à 200 et quelques, du coup j'en ai donné quelques-unes. J'en avais 21. J'en ai encore, hein, mais j'en ai donné quelques-unes pour qu'il ait au moins les 300 en vie. Je vais mettre Magic Water. J'en ai 78 hein, quand même. On va lui donner. Lui, il a pas beaucoup de PM. Badaboum. Logiquement, on devrait pas perdre. Logiquement. C'est plus le championnat, moi, qui me fait peur. Le championnat avec Mister Top, là. Ça va être un peu compliqué. Allez, je pense qu'il est bientôt mort. Bah voilà. Et bah voilà. Nickel. Et il faudra le battre encore une dernière fois. Alors oui aussi, j'ai dressé les... bah les SSJ God, là, comme je les appelle. Quoi? Ah, on le... Ah, il nous rejoint. Donc, c'est que deux fois qu'il fallait le battre, pas trois fois. Ah, bah écoutez, nice. Alors, oui, c'est vrai, hein, niveau 1. Ouais, c'est pas ouf non plus, hein, ces stats. Mais bon, je vais le monter du coup, peut-être pour. Soit la prochaine fois, on verra. On verra. Je vais l'appeler Crow. Simplement, écoutez, j'ai pas de. Pas d'autres idées. Donc on va l'appeler Crow. Voilà. Crow. Ok. Donc c'est pas deux fois. C'est pas trois fois, c'est deux fois qu'il faut le battre. Ok, nice. Bah pourquoi pas. Du coup là il va plus revenir forcément vu qu'on l'a eu. C'est pas ça que je voulais faire. Alors on va aller au vaisseau. Et puis on va regarder vite fait. Je voulais vous montrer aussi hein, les SSJ God que j'ai dressé. Il y en a deux parce que je voulais un négatif. Au début je n'avais pas trop fait gaffe, mais en fait si je voulais un négatif quand même. Pourquoi? Parce que si jamais je fais de la synthèse, lui plus lui. Ça fait un Durian et bon, c'est un bon monstre en A, donc je me dis à la limite
Exception pour eux deux, au lieu de les garder, parce que c'est vrai que niveau stats, bon, c'est pas foufou non plus, surtout en défense, 200 et quelques. Lui, il est un peu mieux, quand même. C'est, pourtant, il est rang B, mais il a mieux en stats que lui. Bon. Au lieu de les garder avec le set profiling, je pense que personnellement, je peux faire les deux et faire la fusion de Durian, ça pourrait être cool. Durian, c'est un bon petit monstre, donc pourquoi pas. Captain Crow, bah, je vais le monter, lui, par la suite. Je vais essayer de le monter pour la prochaine fois. Je sais pas si ce sera niveau 50, mais bon, je vais au moins l'entamer, on verra. Et c'est à peu près tout. Ouais, j'ai rien d'esprit d'autre. Donc voilà, c'est à peu près tout. Bon, on va aller du coup tenter le championnat. Écoutez, on n'est pas trop avancé dans l'épisode, donc on a le temps de faire ça. J'ai toujours un 25, je vais remettre en 1. On va y aller. On va y aller, je sais pas ce que ça va donner. On perd bien, logiquement. Ouais, je vais quand même mettre ma thune, mais bon, logiquement, je crois pas que je perds ma thune, mais. Parce que il me semble pas qu'on gagne d'expérience. On sent le combat, mais bon, je vais quand même mettre ma thune au cas où, on sait jamais. Ça serait con. Deposit, all, voilà. Et on y va pour le petit championnat qui risque d'être rigolo. Très, très, très rigolo. J'ai très peur. J'ai vraiment très, très peur. Bon, hop. Parce que là, c'est toujours assez long. Alors, ici. Ouais. Il y a Bobby. Ok. Bien. Bah, écoutez. Je crois que l'heure est venue. Salut. Ouais. Allez. On veut faire le championnat. Oh, j'ai peur. Ah, ça commence tout de suite avec elle. On verra. En plus, Ah, je sais pas si je peux utiliser des objets. Si je peux pas utiliser des objets, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Dites que je peux utiliser des objets, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce que là, j'ai pas de soigneur, j'ai rien. C'est parti. Ah ouais, d'accord, ok. Celui du milieu, il est stylé, mais je sais pas quel rang il est. Ouais. Et je peux pas utiliser l'objet. Ok. Ah, et je peux pas changer d'équipe. Ah. Je ne peux pas changer d'équipe. Donc, si je pars avec eux... Ok, donc faut peut-être partir avec l'autre, en fait. Ah. Bon, bah au final, celui du milieu, je pensais qu'il était dangereux, mais en fait, non. Ché. Eh ouais, t'as cru, hein, mais non. Par contre, c'est vrai que sans soin, ça va être un petit peu galère. Bon, on fait déjà les premiers combats et puis on verra. Ouais, alors par contre, arrête de balancer. Ça, par contre, heureusement, on peut changer les stratégies. Aïe. On va aller sur de l'attaque. Parce que sinon, il va tout le temps balancer des soins, lui. Voilà, il est mort. Du coup, on part sur le deuxième bonhomme. Si je perds, je crois que je dois tout recommencer. Bon, du coup, les premiers sont pas trop compliqués. Bobby. Les premiers sont pas trop compliqués, je crois. Et c'est à partir du troisième combat. On m'avait dit les deux, trois combats. Les deux, trois premiers, ça va. Mais c'est après. Parce que rappelez-vous, hein, normalement, patience, elle avait rebelote et l'as de pique. Ça tombe, elle aura autre chose. Et ce sera pire. Au secours. Alors, là on va repartir sur voilà, ça. Heureusement, lui balance plusieurs sorts.
problème, c'est qu'il peut pas se soigner. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est bien d'augmenter ma défense, mais... Ça, c'est chiant quand il n'y a pas de soigneur. Il va pas durer longtemps, Time Lord. Malheureusement. Ou alors faudrait que je lui mette, mais je sais pas si je peux lui mettre en plus le maillet miraculeux. Bon, déjà si je perds là, je changerai. Je mettrai Nodoff à la place de Time Lord et SSJ Blue. Même si Time Lord il est quand même utile, hein, c'est juste qu'il a pas de soin. Il est utile. Le problème c'est que je peux pas lui mettre du soin. Il est... Faudrait que lui, je puisse lui mettre de soin, mais je peux pas. Donc, même sur E3, je ne saurais pas à qui mettre du soin. Oh là! Critique. Nice, nice, nice. On gagne des sous. Ça, c'est bien. On gagne des sous. J'espère que je vais pas en perdre. Bah, non, de toute façon, je vais perdre quoi? Oui, enfin, si, je pourrais perdre ce que je gagne. Effectivement. Bon, alors, c'est parti pour elle. Après elle, il y a qui à battre? Est-ce qu'il y a Xinao? Je sais plus. Et le papy, je sais plus non plus parce que le papy, lui, je crois qu'on peut le combattre. Le papy, on peut le combattre tout seul à part. Donc, je sais pas s'il combat là-dedans. Je sais qu'il y aura patience. Et je crois qu'il y aura le capitaine avant. Il y aura le capitaine avant, ça c'est sûr. Alors, dépense pas tous tes PM. Très gentil. Ah! Il récupère de la vie comme ça, lui? Donc, il a, déjà, il a le maillet miraculeux, alors. Ah, nice. Bon, s'il peut récupérer de la vie comme ça, c'est pas plus mal, dans un sens. Alors, elle, avec ses trucs, là, c'est un peu chiant. Lui, je vais le mettre en attaque. Parce que sinon, il va cramer tous ses PM, je le connais. Ce foufou. Ah ouais. Ah ouais, d'accord, ok. D'accord, SSJ Blue est mort. Là, ça va être un peu compliqué. Ça va être la merde, hein, autant vous le dire, tout de suite. Ok, 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 ok. Oui, alors... Voilà, on va accélérer parce que c'est pour... En tout cas, là, ça va être un peu lent. Imaginez, je gagne avec lui. Non, 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 vu les dégâts qu'ils font, non. C'est chiant qu'on peut pas utiliser des objets, hein. Et bah voilà, je suis mort. Ok. Ok, d'accord. Bah oui, j'ai perdu. On va... Hein, j'étais à combien? 6 étoiles, là, ouais. On va mettre lui. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de soin. Donc ça va être un peu galère. Faut que je parle à qui, là? À toi? Est-ce que je peux te parler? Non. Ah, je dois tout refaire comme ça. Ah, salut, toi. Coucou. J'aime beaucoup ta tenue, tu sais. On m'a dit que tu étais la fille de celle du 1. Ben, pourquoi pas. Écoutez. Ouais, ok. Bon. Qui toi? Ok. PNJ qu'il y a dans le 1. Faut que je sorte. À mon avis, ouais, faut que je reparle à Bidule. Bon, on va tenter. Est-ce que je dois tout refaire? Ah, purée, je dois tout refaire. Bon, bah alors, du coup, voilà. Même en 2. Hop. Le premier combat, je crois qu'on peut le passer assez facilement. Je suis soigné par contre. J'ai pas fait gaffe mais... Ouais, je suis soigné. Ok. Voilà, le premier combat, on l'a facilement.
Là, faut faire attention à pas mourir. Par contre, il a pas de maladie miraculeuse, donc là, j'ai aucun moyen de me soigner. Ok. Aïe. Ouais, non, mais là, par contre, je perds trop de PV, là, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Il me faut vraiment... Je vais lui mettre la compétence de soin. Je crois que j'ai pas le choix. Je vais y aller comme ça. Je pense qu'il y a moyen de faire, mais... Sans synthèse, mais... Je crois que je vais devoir lui mettre la... Poulolo. La compétence de soin. On va remettre en... Normal. Bon, il y en a deux qui sont morts. Mais là, vu le peu de PV qui me reste, honnêtement, ça va être galère. What? De quoi on a réussi? Ah oui, parce que je crois qu'il y a une finale. Donc on a réussi, d'accord, ok. Bon, je l'ai passé un peu rapidement comme ça, mais... Ok, on a réussi. Les premières phases. Ah oui, et là du coup il y a la finale. D'accord, ok. Est-ce que je remettrai comme ça? On peut tenter. Bah oui, là, de toute façon, je vais sauvegarder. C'est quoi? Voilà. Et on peut tenter la finale. Du coup. Bon, alors désolé si j'avais accéléré pendant les combats, mais. Bon, on les avait déjà fait, donc bon. Et donc là, du coup, on va à la finale, c'est ça? Ouais, donc le capitaine. Donc... je crois qu'il y a... Alors, soit il y a le vieux, donc du coup, ça fait capitaine, vieux et... patience. Ça va être rigolo, je crois. Au moins on a passé les premiers combats, ça va. Et il y a une petite pause entre les deux. Ah oui, d'accord, c'est vrai que toi t'as... D'accord, ok. Alors là, on va le remettre en support quand même. S'il peut faire une protection, ça pourrait être cool. Alors, ils balancent tous leurs petits trucs. Forcément. Voilà. Et là, on va tenter. Du coup. Il est stylé, Ruin. J'aime beaucoup. Par contre, je sais pas combien d'attaques il balance. Je crois qu'il balance 3 d'attaques, mais je suis pas sûr. Badaboum. Ok. Tu protèges pas tes copains. Aïe. Il en a rien à foutre de ses copains, lui. Ça a abusé. Et je peux pas lui donner d'ordre, en plus. Tu peux pas faire... Kabuff, là? Ouais, mais non, mais... Oh, oui, mais... Mais quel connard? Mais quel enfoiré? Ah d'accord, ok. Super. Alors c'est bien, hein, il protège, mais il protège surtout ses intérêts à lui. L'enfoiré. On va y aller comme ça, écoutez. Lui, niveau défense, il est cool, hein. Par contre, niveau support, il est un peu naze, hein. En plus, il n'y a pas moyen de choisir une attaque... Ah, je sais pas. Dans le 3, on peut choisir une attaque... qu'on utilise souvent, une attaque qu'il n'utilise jamais. Comme ça, si on veut qu'il utilise Kabuff, il utilisera tout le temps Kabuff. Ah là, oui, forcément, il prend un peu plus cher. Par contre, là, je crois qu'on enchaîne les combats.
S'il y a une pause entre les deux, c'est vrai que ce serait ultra cool, mais je pense pas. Bon, il est mort, ok. Il y a une pause entre les deux ou pas? Dites que oui. Ah, c'est patience directement. Oui, bon, bah là, c'est foutu, hein. Autant le dire, direct. C'est foutu. Qu'est-ce qu'elle a? Est-ce qu'elle a les mêmes monstres? Ok, c'est pas les boss des Q9. Bon. Tu vas y aller en mode défense, hein, mon petit gars? D'accord. D'accord, ok, je peux attaquer avant. Tu me laisses attaquer ou comment ça se passe? D'accord. Pourquoi pas? Eh, vous imaginez, je gagne grâce à lui. Ça serait rigolo, hein. C'était mieux quand il touchait ses copains. Bon. Ok. Bon, on va tenter avec Nodov. Ça tombe, ça passe. Ça tombe, ça passe. Donc ça tombe, on passe pour... On peut se faire défoncer. Oui, bon, on a compris. Oui, c'est bien, tu te fous de moi. Alors. Le problème, c'est que lui, il a pas le maillet miraculeux. Je pourrais lui mettre, je crois. On va tenter sans. Et puis, si ça marche pas, on va tenter avec. Moi, j'y crois. Oui, allez, hop. Je raffronte... Qui je raffronte, là? Je raffronte le capitaine, hein. Ouais. Ok, bon, c'est bon, on connaît, j'accélère. Je vais mettre en... 1,50. Bon, déjà, il fait mal, ça, c'est bien. Ouais, non, mais par contre, tu fais super mal, mec. Tu fais super mal et... Eh, je suis désolé, mais... Ils mettent pas... Mais soigne... Mais... Défends tes collègues. Mais tu m'emmerdes. Il défend pas ses copains. Mais il est vraiment nul. Je peux même pas lui dire de défendre ses copains, quoi, il veut pas. On va retenter, hein, mais... C'est chiant, je peux pas lui donner d'ordre. Bon. Voilà, et comme tout à l'heure... On va faire l'autre combat, mais... Honnêtement... Je vais regarder pour les attaques, mais je crois pas qu'on peut... Ça serait bien, comme ça au moins. On a compris, voilà. Tu prends 0. Bah voilà, tu prends pas 0. On va remettre en agressive. Aïe. Sinon, Nodov, soit je mets une compétence de soin, soit je lui mets défense 1. Oh là, il est mort. Défense 1, il serait plus tanky. Oui, on a compris. Bon.
Et je suppose que stratégie. Ouais, mais non, je peux pas. Ouais, mais lui, il fait rien quand il fait ça. Et je peux pas choisir les attaques. Ah non, ça c'est pas ça. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Non. Bon. Du coup. Équipement. Est-ce que je peux te donner un mail miraculeux? C'est une grande question. Je crois pas. Non, non, non. Si? Ah non. Ah si? Bah. Il peut... Ah non, c'est parce que j'en ai plus. Ah. Toi, Time Lord. Time Lord. On va enlever ton... Genre, on va te mettre ça, voilà, si tu veux. Et on va le mettre à lui. Alors, il a moins d'attaque, mais il pourra se soigner. Et puis on va tenter comme ça. Et si ça marche pas, eh bien écoutez, je farmerai. Je sais pas, j'essaierai pour la prochaine fois d'avoir une autre compétence, soit de soins, soit de défense. Qu'il est un peu mieux en défense, hein. Si la défense 1, il aurait dans les 400, ça, je pense. Ou proche des 400, donc ce serait mieux. Effectivement. Voilà, je suis toujours en 1-5. Je vais laisser en vitesse à 5. Hop. Le problème, c'est que c'est. C'est con, hein, parce que l'autre, s'il ferait un cabuff, déjà, ce serait tellement mieux, mais il le fait pas. Il fait pas cabuff. Que pour sa gueule, ce con. Et je peux pas lui donner d'ordre, donc c'est chiant. Si je mets en healing, je pense pas qu'il fera des trucs. On verra bien. Aïe. Bon, au moins il pourra se soigner. C'est pas grand chose, mais quand même. Au moins il se soigne. Bon, arrête de faire des miss-me, toi. Aïe. Ah, mais en plus, il baisse ma défense. Bon, heureusement, il m'a raté. Je te remets en agressive. Voilà. On l'a passé. Il y a peut-être moyen maintenant. Hein, si on se retrouve face à patience. Il y a moyen. J'y crois. On y croit. Ah, seulement l'autre il pouvait être un peu moins con et mettre un cabuff. Il veut pas, hein. C'est ultra stressant. Alors, on va quand même le mettre en support. Aïe. Tu peux me laisser tranquille? Bon, déjà, il va se soigner. Et puis il va attaquer une deuxième fois. Et il est pas mort. Je fais une petite accélération quand même de 1,25. Ah! Et. Il est mort. Et. Maï miraculeux, hein. Toujours penser au maï miraculeux. Ça peut être utile. Mais lui, il fait des bons dégâts quand même. Il se soigne deux fois vu qu'il attaque deux fois. En plus, il attaque son collègue. Ouais, alors par contre, faire ça, c'est bien, mais tu perds un tour, t'attaques pas.
il se soigne, il attaque. Son collègue l'a attaqué, et en vrai... Alors, contre Leonix, ça va être... ça va être compliqué, parce que Leonix, je crois, de mémoire, il fait une attaque de zone qui fait du plus de 100 de dégâts, au moins 200. Donc là, il faudra vraiment un soigneur. Mais eux, ils font pas trop d'attaques de zone, donc ça... En vrai, aïe. Le sauveur, Nodaf est mort. En vrai, il a eu de la chance parce qu'il a fait un coup critique. Mais notre ennemi aussi a eu de la chance parce qu'il a fait un coup critique. Nodaf n'aurait pas dû mourir. Mais, j'avais dit quoi tout à l'heure? Ça serait rigolo que lui gagne. Mais il a gagné. Bon. Bon. Et bah voilà, on a réussi. Qu'est-ce que je vous mettre en miniature, moi, du coup? Je suis en train de réfléchir. Est-ce que je vous mets... si je vous mets Captain Crow... Ouais, mais... Si je vous mets Captain Crow, vous allez moins regarder que si je mets... le championnat. Donc faut que je mette le championnat pour que vous regardiez quand même, parce que Captain Crow, bon... Et il faut que je vous mette quand même de... Un truc en miniature qui... Est-ce que je vous mettrai pas patience, quand même, hein? On verra. Ça spoilerait un peu. Bon, en tout cas, là, on a gagné. Et ouais. T'en reviens pas, hein, mec. J'ai gagné. Grâce à Hulk. Merci. J'ai gagné grâce à Hulk. Bien. Si je te reparle, tu me dis quoi? Tu me dis rien, ok. Là-bas, je pense pas qu'il y avait des coffres dans la zone. Du coup, bah écoutez. 9000. Eh, je me suis fait pas mal de thunes, hein, quand même. Bah écoutez, on va retourner au vaisseau. Et puis on va s'arrêter là, pour cet épisode. Tac. Ship. Et voilà, la prochaine fois, ben, il nous reste Leonix à battre. Il y a lui. Lui, normalement, on peut le combattre aussi, mais je crois que ça a pris Leonix. Ou après Gormantex, je sais plus. On a encore pas mal de choses à faire. Hein, parce qu'il y aura Leonix, après il y aura Tenebria. Qui dit Tenebria, dit Gormantex. Et après Gormantex sera le boss du post-game. Donc là, on a vu que c'était, ça devenait tendu sans synthèse. Je vais remettre... Ça devient étendu sans synthèse, on va voir si ça va passer ou pas la prochaine fois du coup. On va laisser comme ça, peut-être que je mettrai défense 1 à la limite sur lui. Là maintenant je peux lui remettre la meilleure truc. Mais Maï Miraculeux sur lui, avec peut-être défense 1, c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Ou une compétence de soin, je sais pas, faut voir. Bref, on cesse là, j'espère que l'épisode 2 aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, et puis ben, on se retrouve la semaine prochaine, certainement mardi, hein, puisque j'ai décalé d'un jour maintenant, certainement mardi, pour peut-être Leonix, on verra bien, vous me direz dans les commentaires de toute façon ce qu'il y a à faire et tout, donc voilà, allez, bye tout le monde.